MMS, j'espère que vous allez bien. On a récupéré le G63 à Paris. C'est un véhicule qu'on a livré il y a un mois et demi d'origine. C'est déjà très très beau, c'est une base de G63 édition 1. Vous voyez avec tous les détails, donc les liserés rouges autour des roues, les liserés rouges sur les rétroviseurs, une sellerie bien spécifique avec un cuir designo surpicule rouge et un carbone magnifique rouge. Donc dessus on avait fait un covering noir mat et un déchromage complet, tous les insignes en noir brillant. Maintenant le client, il voulait quelque chose de plus nerveux, le kit Brabus, on l'a reçu, c'est parti pour la transformation bien bodybuildée. Allez, c'est parti, on y va. La dernière fois que vous le voyez comme ça. On se retrouve à l'atelier les amis. Donc aujourd'hui on attaque la face avant.
Toutes les pièces sont peintes depuis 2-3 jours. On a déjà fait la face arrière, mais bon, on ne va pas tout vous montrer tout de suite. Et aujourd'hui, on attaque le pare-choc avant, complètement démonté, et on va ajuster le kit Brabus avec les pièces d'origine. Okay. La première étape, c'est de récupérer quelques pièces du pare-choc d'origine. Toutes les connectiques, les mousses de protection, on va réajuster sur le pare-choc Brabus. Floor, nigga doing old moves. I don't give a fuck, I do what I want to. I ain't your ass up, boy, I don't want you. Better listen when I talk, nigga, don't trip. Yo, heat in the comments in this bitch. I ain't tryna beef, I'm tryna get my drink on. Got my diamonds, my fitted, and my mink on. I'ma kick it at the bar till it's time to go. Then I'ma get shorty here and I'ma let her know. We'll be right back.
avec le G63 Brabus complètement fini. Le premier en France, il est magnifique. Moi, je suis comme un ouf dessus, j'adore. On va commencer par vous détailler un petit peu tout ce qu'on a fait dessus. Donc, on commence par la face avant. Ici, donc le pare-choc est complètement modifié à l'avant. La calandre, qui est la calandre d'origine, mais peinte en noir brillant. L'insigne, qui est modifié, et on retrouve le double B de Brabus. Notre capot full carbone, qui est vraiment très très énervé, une forme très agressive, franchement magnifique. Avec le petit insigne Brabus, noir brillant et chromé, très joli. Sur le toit, on voit la casquette. Je ne sais pas si vous voyez bien de loin, mais elle est aussi full carbone avec une LED insérée. Elles sont vraiment, franchement, la nuit, puissantes, mais elles sont en fonction uniquement avec les pleins phares. C'est quasiment tout pour la face avant, c'est déjà pas mal. Il reste aussi ce petit logo Brabus inséré sur la calandre, rétro-éclairé, bleu. La nuit, on le voit très bien, c'est très joli. Fini pour la face avant, on passe sur le côté de la voiture. Donc, les extensions d'ailes avant, il est élargi, du coup, vous voyez bien, je pense, par rapport à l'origine. Les jantes, on est passé sur du forgé en 23 pouces. Nous, on a décidé de les peindre complètes en noir brillant. Ici, des grilles d'aération rajoutées qui viennent compléter du coup l'extension d'ailes avant avec l'estampillage Brabus par ici, également ici, vous le retrouvez. Ensuite, en finition, entre l'extension d'ailes et le marchepied, une petite caisse qui vient faire la liaison avec des LED qui viennent éclairer les marchepieds au moment de l'ouverture du véhicule avec la clé. Alors, vous ouvrez la portière également du coup. À l'arrière, du coup, on retrouve également l'extension d'aile qui vient élargir le véhicule. Sur le côté, on voit également l'échappement qui a complètement été modifié. La jante, pareil qu'à l'avant. Et ici, la grille également qui vient en finition de l'extension d'aile en noir brillant. Pour finir, on a choisi une couleur psychédélique en covering. Là, vous le voyez, on a un petit peu de chance, il y a quelques rayons de soleil sur Paris. Vous voyez, les reflets sont extrêmes, la couleur elle est vraiment magnifique. L'avantage de ce covering, quand il fait sombre, vous verrez sur quelques plans, on a l'impression que c'est un gris mat satin de base. Par contre, dès qu'il y a du soleil, c'est vraiment une couleur extraordinaire. La face arrière qui est vraiment énervée aussi. Donc ici, on avait choisi nous le cache-roue en carbone. On n'a pas été déçus dès la réception. On l'a trouvé magnifique, franchement, ça fait vraiment une grosse différence. C'est très très beau. Ici, vous voyez l'aileron arrière qui est rajouté. Du coup, avec les jantes en 23 et l'aileron, c'est fini à Paris. Plus aucun parking souterrain. Et certains tunnels, ça passe même plus. On est à 2,20 m du coup maintenant. Le pare-choc arrière reste considérablement le même, avec quand même les grilles qui arrivent directement de chez Brabus, qu'on a peintes en noir brillant. Le diffuseur arrière également, Brabus, vous voyez bien estampillé ici. Le logo Brabus, noir brillant. Les feux teintés en bas et en haut, et un véhicule qui est globalement magnifique. On en a terminé pour l'esthétique. La voiture, elle est très 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 nerveuse. Comme vous avez vu sur les plans précédents, on a choisi de faire une prépa moteur pour accompagner le kit, tellement elle est nerveuse esthétiquement. C'est vraiment une guerre maintenant. Voilà team, on en a fini pour le vlog. Il y a un client qui attend sa voiture avec impatience, je pense que vous comprenez. J'y vais. Et n'hésitez pas à nous laisser ce que vous pensez de la vidéo. Ciao.